Salut tout le monde, c'est Las, très content de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre première saison en D2 thaïlandaise. On a deux matchs aujourd'hui contre Lamphun et New Calendrier contre Chennathornbil. Et au final, ils sont bien remontés puisqu'ils sont arrivés deuxième. On n'a qu'un point d'écart avec eux. Donc autant dire tout de suite que le match contre Lamphun va être décisif, il faut le gagner, et même si on est à le gagner, si eux gagnent aussi, potentiellement il faudrait aussi qu'on gagne le prochain. Donc ça va être tendu jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier match. Donc on va pas plus attendre, hein. On va y aller tout de suite. On a le retour de nos deux centraux vedettes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu une semaine, je leur ai donné une semaine de repos complète en ne mettant que de l'entraînement du team building en fait. Je les ai vraiment reposés à mort pour pouvoir affronter les prochains matchs, parce que certes on va jouer contre Lamphun, contre le Chennathornbil, mais après derrière il y a les barrages. Donc je me suis dit que j'ai pris le pari de les reposer à bloc. Ils vont être un petit peu moins affûtés, mais tant pis. Vu que le gros point faible, c'était la fatigue, je pense que ça a été une bonne chose. On a le retour d'Amadir, donc ça c'est bien aussi. Donc là, au niveau équipe, on est plutôt pas mal. Bon, Krivet toujours, voilà, on va pas le faire jouer là, hein. Mais globalement, on a retrouvé un peu tous nos cadres. Donc c'est vraiment une bonne chose, je pense. Donc on va y aller. On va essayer de remporter ce match. Denis Amadir n'est pas suffisamment affûté pour avoir du mal à terminer la rencontre. Je sais pas, je vais réfléchir, j'hésite. Est-ce que du coup je le mets sur la touche ou pas? Non, on va le laisser, on va mettre toutes les chances de notre côté avec nos meilleurs joueurs. Ouais, là c'est pour les supporters, hein, vraiment. Il faut vraiment le faire pour eux. Si on gagne et que Chennath fait un nul ou perd, on est champion. On va contester cette fois. Pensez-vous votre équipe capable de tenir un résultat? Bon, je vais rester neutre. Il vous suffit de vous imposer face à l'enfant pour remporter le titre. J'ai un peu les moins en maths, c'est pas surprenant. Ce match est le plus important de ces dernières années pour le club. Ouais, ça va être un grand moment et on a hâte. On a tous hâte. On s'est préparé pour ça, j'ai envie de dire, presque pratiquement tout au long de la saison, même si en deuxième partie de championnat, on a été à la ramasse. Mais ils sortent de 4 défaites, une victoire. Ouais, je pense qu'il y a quand même moyen de. Il y a quand même moyen de faire quelque chose sur ce match. Non, vraiment, si on pouvait être champion. Je vous montrerai après la coupe thaïlandaise a touché à sa fin et donc il y a eu un vainqueur, je vous montrerai après. Allez, Kanu, ah, c'était bien tiré. Ça sort en corner, donc une deuxième chance. Allez, 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 allez. Et non. C'est pas grave, c'est pas mal. C'est pas mal, on va encourager. Parce que pour l'instant, ça montre des bonnes choses. Attention, la contre-attaque, toujours ça. Oui, bien, bel arrêt du gardien. Diego qui reprend, temporise un peu. Sokam, ça joue dangereux là. Ça, c'est dangereux. Faut pas faire ça. Allez, voilà. Envoie-moi ça loin devant. Par à Paul. Amdoula. Ah, ils ont l'air plus frais. Hein. Amadir, Amdoula de nouveau. Allez. Qui cherche une solution, pour l'instant il trouve rien. Ça cadenasse pas mal au niveau de la défense. Et il tente sa chance, il le met. Bien joué, premier but de la saison, il nous a pas habitué à marquer. Défenseur gauche, Ankoumsong là.
Ah non, c'était pas mal. Ah, il prend sa chance et il le met. Formidable. Ça, c'était bien joué. Oh là 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 là. Égalisation dans la minute qui suit notre but. La joie fut de courte durée. Ça promet un match intensif. Hein. Allez, pas de pression. Surtout pas de pression. Jouer détendu. Bientôt 20 minutes de jeu. Au niveau des stats, 5 tirs de cadré, 0,18 d'expected goal, 50% en possession. Allez, canou sur corner. Ah non, ça repart loin. Il se met à pleuvoir et attention à la contre-attaque. Bien joué. Ça, c'était bien joué. Ça repart. Ouf, un tir de loin qui était un peu inutile pour le coup. Au niveau des fautes, on est comment? On a 4 fautes. Un m'a dire qu'il s'est fait cartonner. Oh là là, attention. Bel arrêt du gardien. Allez. On repart à l'attaque. Abdullah, Amadir, ça remet derrière sur Diego. Canou loin devant. Ah là là, c'est pas bon, les ballons loin devant sont pas bons, ils nous les reprennent à chaque fois. Mais bon, on récupère Amadir, il temporise un peu. Canou, Panuwat, Anfiong Hill, Parapol, Abdullah peut-être. Oui, ça c'est beau. Ça c'est bien. Allez, on mène 2-1 dans cette rencontre. On va passer tout de suite en très défensif. Hein. On va pas prendre de risques. Non, très défensif. Voilà, frustrer l'adversaire, c'est très bien. 40 minutes de jeu, on se rapproche gentiment vers la première mi-temps. Et pour l'instant, ce qu'on a vu est à la hauteur de nos espérances. C'est très bien. Au niveau des stats, 90% de passes réussies. 11 tirs, 5 cadrés. La possession, ça va. La défense, on pourrait faire mieux, je pense. On a juste un jaune et 6 fautes. Bon. Par rapport à la pléthore de fautes qu'on fait généralement, pour l'instant ça va. Allez les gars, donnez la victoire aux supporters, remportez le titre. Il n'y a pas d'histoire, les milieux, ne lâchez rien. Voilà. Et le petit Anfiong Hill, ne lâchez rien. Ça n'a pas suffi. Ouais, petite déception pour ce joueur quand même. Petite déception. Il joue bien, mais je pensais qu'il mettrait plus de buts que ça. Et je pense qu'à la 60e, on le sortira pour faire rentrer Lao Sang-tai. Ou peut-être Sriche, d'ailleurs. Qui souvent nous a fait des belles surprises en tant qu'attaquant. Attention. Ça revient. Ouf. Oh là 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 là. Quel match. Quel match. Ah, ils ont égalisé, là, il n'y a rien à dire. On va en demander plus. Hein. À 60e, on va faire le changement tout de suite. Sriche. On va le faire rentrer là. Amadir 6,50. Non, il est cartonné en plus. On va faire rentrer Kawila, qui n'aura pas beaucoup joué cette saison. Je regarde un peu, qu'est-ce que... Diego qui commence un peu à fatiguer. On va déjà faire avec ça. En fait, toute la différence, hein. On confirme le remplacement. Sriche qui revient de longues blessures.
Donc qui, sur un malentendu, peut-être nous faire quelque chose de beau, nous débloquer une situation. Ah là là, j'aime pas ces coups de pied arrêtés là. Et bon, c'est arrêté, mais ça sort en corner malheureusement. Donc le danger est pas totalement écarté. C'est dans les bras du gardien, c'est parfait. Allez, Achia, va falloir nous dégager ça. Kanu, Kawila. C'est bien, il avance un peu. Allez, fais-nous un petit centre sympa. Oui, et c'est but. Et c'est Sriche qui marque en plus. Super, parce que Kawila qui vient de rentrer, Sriche qui vient de rentrer. Kawila est à l'origine du but. On va regarder l'action. Là, ça cafouille un peu. Abdullah Sriche. Non, c'est parfait. Parfait. 3-2. On félicite. Hein. On va sortir tout de suite Diego. On a que Sri Pratch. Et oui, j'ai pas pris comment il s'appelle. Notre ami Sri Tip. Bon, j'ai pas mieux à proposer. Parapol, il fait un bon match. 7-10, ouais, il joue bien. Je vais pas le sortir. J'hésite. Hein. Pongpat, on ferait peut-être rentrer Ngantip. Allez, faites tout la différence. Sois pas nerveux. T'es pas à ton poste, je sais. 76 minutes de jeu. Faut rien lâcher. Hein. 3-2, un match très disputé. Hein. Voilà, on a peut-être la victoire en championnat hein, au bout de ce match. 89, 90, il reste 3 minutes de temps additionnel. Attention. La partie offensive est pourrie, c'est bon, c'est récupéré. Très bien joué ça, Ngantip. Sokam loin devant. Parapol. Attention. Remet au gardien, voilà, très bien. Ça repart loin devant. Parapol qui reprend. Temporise un peu, ça remet en arrière. Kanu. Kawila. Sur Abdullah. Kawila qui reprend. Allez, Parapol. Loin devant. Non, Sriche pourra pas s'arracher à ce point-là. Ah là là, quel stress. C'est bien défendu. Mais il va falloir faire encore un effort. Putain, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, j'y crois pas, mais... Ah, puis là, il va siffler, quoi. Oh, ce but en fin de match, là, mais c'est vraiment la merde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un peu fini, les arrêts de jeu, là? Mais non. Mais non. Match nul quoi. Ah ouais, pff, il est plus qu'en jeu quoi. Oh là 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 là. Je sais pas en face ça a fait quoi. On a assuré la montée, donc ça veut dire qu'on est vraiment champion. On est officiellement Toyota League, c'est-à-dire c'est pas les barrages qui nous font monter. Mais je comprends plus rien moi dans leur truc quoi. La saison prochaine est dans tous les esprits. Quels sont vos objectifs? On va viser le plus haut possible. Ouais. On a été nuls hein, en défense. Non, on n'est pas champion. Hein. Le Tchénat, ils ont fait quoi? Ils ont gagné? Ils ont pas joué. Si, ils ont joué. Mais... Ah, c'est nous qui avions un match de retard.
Ah oui, j'avais fait une offre pour un joueur, mais il nous demande une fortune. Non, non, un joueur que la cellule m'avait conseillé. La montée. A gagné le droit de monter on a gagné le droit, ça veut dire quoi? Ça m'énerve, je comprends pas. On monte, mais on n'est pas encore champion en fait. C'est-à-dire que là. Ça qui m'agace, moi, c'est que tant que je vois pas le podium, les feux d'artifice et la coupe, moi j'y crois pas. Hein. La montée, P, promu. Ah, on est promu, c'est-à-dire qu'on va même pas faire les barrages. On n'est pas encore champion. Mais on est promu directement et les autres ils font les barrages. D'accord, donc là on n'a pas les barrages à faire. Quoi qu'il arrive, on monte en première division. Oh, c'est super ça. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, c'est belle récompense là. On est promu directement. Oh, c'est chouette, on va pas se taper les barrages quoi. Mais vous éprouvez des doutes à un moment donné. Ah oui, on a eu quelques doutes, oui, largement. Bravo, vous avez obtenu la montée grâce à votre beau parcours. Que ressentez-vous? Je ne sais pas quoi dire, véritable récompense. Quel a été l'impact de votre causerie sur ce résultat qui vous a permis d'assurer la montée? Ouais, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Il va être difficile d'isoler quelques moments forts pour faire le résumé de cette rencontre. Comment avez-vous vécu ce match? On a laissé trop d'espace à l'adversaire. On a noté une certaine incompréhension parmi les supporters concernant votre décision de ne pas remplacer Feroz Sokam. Ouais, il a mouillé le maillot. Avez-vous apprécié le gros match? Je sais pas c'est qui, c'est. Je ne parle pas des autres. Le but est. Ouais, c'est une expérience utile. Allez, pas démoralisé, mais quand même, il nous a fait mal ce but à la fin, parce que sinon, on était champion et promu. Putain, sur ce match, ça aurait été superbe. Donc là, on va vraiment se taper le match de la mort contre le Chénat, quoi. Oh la vache. Oh, on est promu, c'est super. C'est super. Je suis vraiment, vraiment très, 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 très content, quoi. Là, vraiment, ne pas se taper les barrages, vu qu'on est hors de forme et tout, c'est juste la cerise sur le gâteau. J'avais pas vu, j'avais pas regardé ça. J'étais persuadé que c'était comme l'un des trois, qu'à la fin on avait encore les barrages, etc. Pour moi, c'était pas du tout acquis. Donc là, quoi qu'il arrive, il faut impérativement. Oh, ça serait tellement beau de faire, si je puis dire, le doublé, quoi. C'est-à-dire champion et en plus promu. C'est le 23, on est le 17. En 5 jours. Bon, on se retrouve dans 5 jours hein, pour le dernier match et on va tout faire pour le remporter. Allez, c'est le jour du dernier match hyper important. On va faire la conférence de presse ensemble. Tout va se jouer sur ce match. Sequoia City face au Chénat Hornbill. Quelle chance avez-vous de vous imposer et de remporter le titre? Je ne sais pas de quel côté la balance va pencher, mais une chose est sûre, ce ne sera pas une rencontre facile. Je préfère me concentrer sur le match. Masayuki Miura s'est joint aux nombreuses personnes qui vous ont félicité suite à votre récent succès. Comment réagissez-vous à l'éloge d'un collègue, surtout avant une rencontre opposant vos deux équipes? On boira un verre après la rencontre. Très bien. Les joueurs de Sequoia City se sont inclinés lors de leur dernière confrontation avec le Chénat Hornbill. Cela peut-il avoir un effet sur eux avant la rencontre? Les joueurs sont impatients à l'idée de remettre les pendules à l'heure. Êtes-vous d'accord pour dire que Masayuki Miura fait de l'excellent travail cette saison en permettant au Chénat Hornbill d'obtenir des résultats pour le moins inattendus? Ouais, il mérite tous les bons commentaires. Vous semblez très surpris par le niveau de jeu actuel. Ne craignez-vous pas que de telles déclarations, ça n'a. On va pas les sous-estimer. Quelle est l'importance de Narit Putsam pour les. Je suis ici pour répondre à mon équipe. Votre équipe est la plus efficace. Diego a toutes les qualités requises, élément essentiel. Peut-on s'attendre à quelques surprises tactiques de votre part? Non, je ne vais pas en parler. Ressentez-vous de la nervosité avant ce qui est incontestablement, pardon, le match le plus important?
Il y a toujours un peu de tension, une rencontre, rien d'inhabituel. Voilà, on est calme. On a fait une petite, petite réunion d'équipe juste avant et c'est ce que je leur ai dit. Hein. Ce que vous avez réussi était déjà fantastique. On fait deux montées en deux saisons. Hein. Donc, et puis, bon, là, par contre, l'année prochaine, ça va être chaud. Mais on n'y est pas, on n'y est pas encore. On va déjà profiter de l'instant présent. Très bien. Et quatrième, hein, les U19, ils ont réussi à grappiller une place, donc c'est pas mal. Le titre en jeu, oh la vache, jusqu'au bout, quoi. Cette deuxième partie de saison catastrophique et avec le titre de champion au dernier match. Ils sont pas contents, mais c'est pas grave, de toute façon. Maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance que vous soyez content ou non de la qualité des entraînements. Et j'ai envie de vous dire que je m'en tape, mais quelque chose de puissant. Allez, c'est parti. Ouais, on va dire ça. On va vérifier quand même. Hein. Le meilleur joueur d'ici. Pongpat. Niveau forme, c'est en forme. Crivet, Diego. Crivet, il est juste, hein, franchement. Crivet est juste, hein, on en a besoin, c'est ça le problème. Gantip, Sokam, Lao Sangtai. Ouais, on va mettre Lao Sangtai qui joue jamais. Ah non, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Sokam, moi. On met un défenseur central pour remplacer Crivet si jamais. Sriti, bah désolé mon pote, tu vas pas beaucoup jouer. Hein. Manoy non. Chom Chouen, c'est pareil, hein. Il va partir. Hein. Il va partir. Il y en a beaucoup là qui sont en fin de contrat dans 3 mois. Je vais avoir beaucoup de boulot pour l'année prochaine pour faire une vraie équipe compétitive. Hein. Parce que là, avec tout cela, même s'il y en a qu'on... Je vais voir, finalement, ceux qu'on paye vraiment pas cher, mais Sean Chouen, non, lui, s'en va, mais... Je me dis, voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, autant pouvoir compter sur... Et lui, il est suspendu, putain. Autant pouvoir compter sur les... Ah oui, Effingdin s'est blessé, au fait, hein, 5 à 6 semaines. Je me dis qu'à moindre coût, on peut avoir des... Mais je suis même pas sûr qu'à l'échelon au-dessus, ils en veillent vraiment la peine. Si c'est pour avoir des joueurs qui sont complètement dépassés, ça sert à rien d'économiser 3 francs 6 sous. Bon, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Allez. On va dire que c'est bon. Ah oui, non, c'est ça que je voulais faire. C'est Crivet. Pas le titulariser tout de suite. Mais plutôt mettre Sokam. Et on n'aura que Lao Sangtai, pas très affûté, mais on va bien voir. Je compte sur lui. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, avec un peu de chance, il va avoir la niaque. Le match le plus important de toute la saison, quoi. Ouais, c'est ça. On va donner aux supporters... Une bonne raison de faire la fête ce soir. Tiana Torbin qui sort sur 2 victoires. Ouais. 2 points. Enfin, franchement, là, on aurait fait un nul de moins dans tous les... Dans tous les résultats bidons qu'on a fait là, c'était un match spectacle là ce soir. Allez, Sokam. Panuat, Abdullah. Qui en met derrière, Panuat de nouveau, Pongpat. Arjrod, par rapport à qui se retourne, qui tire, c'est le but. Peut-être un hors-jeu d'Abdullah. Si c'est lui qui met le but encore, ça serait beau. Hein. Oui, c'est le but accordé. Ça, c'est bon. On regarde l'action. Ça dévie sur lui. Arjrod, Parapol,
Abdullah. Oui, non, il n'était pas du tout en jeu. C'est pas litigieux du tout. Hein. Ça, c'est bon. Alors, attention à la contre-attaque. Alors, on a réussi à reprendre. Abdullah encore. Par à Paul. Il part tout seul. Voilà, il va aller jusqu'au bout. Il a mis sur la hausse en time, mais ça n'a pas suffi. Ça revient dans nos pieds. Diego. Abdullah encore. Kanu, qui s'est déjà pris un carton. Pong Pat. Ankunsong qui centre. Ouais, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est bien dommage. La voilà, contre-attaque, je sais pas si... Je sais pas si on est vraiment bon contre-attaque, mais... Attention. Ouais, ils ont récupéré. On remet de la tête Diego, bien. Panouat. Abdullah. Oh là là, qui... qu'est-ce qu'il nous fait? Kanu, ça cherche vraiment à passer... Ah, c'est sûr que là, si on en mettait un deuxième... Vas-y, par à Paul. Oh là 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 là. Bien contré par le gardien. Rien à dire, mais c'est un petit corner. Allez, Kanu au corner. Non, ça repart. Mais c'est récupéré par Argerod. Panouat. Kanu, qui va peut-être centrer. Allez, c'est bien là, c'est bien. Je les félicite parce que franchement, pour l'instant, ça joue bien. Deux cartons. Ils n'ont pas du tout la possession. Ah, ça y est, il a suffi que je le dise pour que ça redresse. Jeu de passe est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, c'est un coup de pied arrêté pour nous. Kanu, bien joué. C'était bien tiré. Corner, du coup. Oh là là, ce match de pression, là. Diego. Non, il ne les met pas sur la tête de quelqu'un. Argerod qui court. Pong Pat, Panouat. Ouais, non, il s'est fait intercepter. Heureusement, Abdullah, il cavale. Ils sont déchaînés dans ce match. Hein. ...37e minute de jeu. J'ose pas leur dire quoi que ce soit, ils sont plutôt pas mal là, ils sont bien dans le match j'ai l'impression. On arrive gentiment vers la mi-temps. Il faut faire attention là avec les cartonnés parce que c'est le genre de match où ils vont faire n'importe quoi. On cadre, je suis très content. Voilà, vous êtes capable de faire encore mieux hein, franchement. Là-dessus, on est d'accord, on va pas se mentir. Il y a vraiment la place pour faire encore quelque chose. Allez. Panouat qui met sur Abdullah. Abdullah qui va peut-être se mettre à galoper. Non, il remet sur Panouat. Allez, par à Paul. Pong Pat. Bien joué, Abdullah qui est parti sur le côté, là. Le centre à tête. Oh là 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 là. C'est dommage, c'était bien joué. C'était bien joué. Abdullah, il se grille, hein. Il court quand même beaucoup. Très 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 bon match. Très bon match de notre couteau suisse. Alors, il est pas suisse, mais vraiment multifonction, lui. Hein. En face, ils sont comment? Ils commencent à être un peu cuits aussi, ils ont décartonné aussi. On est bientôt 65e minute de jeu. On va les laisser continuer un peu jusqu'à la 70e et on va faire quelques changements. On va même pas attendre jusque là, on va sortir là au Sanctai qui était transparent par rapport aux autres, on va dire. Allez, Anfiong il va rentrer derrière. Derrière, je sortirai bien Sokam. Il fait un bon match hein, pour faire rentrer Krivet. Qui est inquiet, mais c'est pas grave. Même s'il était ravi, je pense qu'on a mieux fait d'avoir un très bon défenseur frais au milieu. Et on va garder Diego, hein, dernier match.
Ah, pour le notre capitaine, c'est son dernier match après il part à la retraite, donc je crois que Sokam aussi, il me semble que j'ai vu retraite. Il me semble que j'ai vu retraite quelque part dans l'effectif, non? Ou il me l'a dit, je sais plus. Ou, je m'en rappelle plus. Où il est? Il est là, non, il me semble. Non, c'est pas lui alors. Bon, peu importe. On va rester comme ça, voilà. Deux petits changements. Un en attaque, un en défense. 70 minutes de jeu. Attention, attention. C'est pas le moment de se relâcher. C'est raté. C'est raté, c'est tant mieux. Pas de pression. Pas de pression, surtout pas. Allez, canon. Au-dessus. Malheureusement. Ah, il y a eu un accrochage. Il va nous accorder le penalty. Penalty accordé. Ah Diego, s'il te plaît, le manque pas celui-là, comme ça on est tranquille. Oui, c'est dedans, Diego. Voilà, pour son dernier match, il marque 11 buts cette saison, hein, de notre défenseur central. 11 buts, c'est énorme. Énorme pour un défenseur. On mène 2-0 dans ce match qu'on ne devait pas perdre. Et on est vraiment en train de tout faire. Par un Paul Anfiong est pas assez rapide, malheureusement. Pourtant, il y a des bonnes caracs en accélération, mais le défenseur était plus vif. Crivet. Allez, Archrod. Loin devant. Attention, ça revient dans nos pieds, Diego. Abdullah. Allez, qui se défait de son adversaire. Un centre. Oh là 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 là, le but qu'a failli y avoir là, par un Paul. Oh là là. Ah là, 3-0, c'était magnifique, hein. Attention, parce qu'ils peuvent revenir à n'importe quel moment, ils ont l'équipe pour. Hein. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, vérification. J'avoue qu'il était quand même bien loin. Pardon, bien loin. J'en ai le hockey, quoi. But refusé. Ouais, il est là, il est à 10 km. Donc c'est bon, 80 minutes de jeu, il faut continuer comme ça. 85, 87, allez, 87. On va sortir Abdullah, il est cuit. On va faire rentrer Sri Pratch. Diego, on va le laisser. Hein. On va le laisser. Pongpat, on va faire rentrer Ngantip. Allez, confirmer le remplacement. HR Diego. Abdullah, dernier effort avant de peut-être sortir. Peut-être qu'il aura même pas le temps de sortir, on est le 88e. Archrod, bien joué. Ankumsong qui s'arrache sur le côté. Archrod, ça remet. Un centre. Attention à la contre-attaque. Et le changement est toujours pas fait. Si, les changements sont faits. Ah là, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Mais oui, oui. On passe entre défensif. Il reste quoi? Une minute peut-être d'arrêt de jeu? Ça c'est bon. 2-1. Ah, super match d'Akari Abdullah. Super match. On a fêté cette victoire dignement. Quel exploit. Voilà, c'est clair. Magnifique. Et on n'a pas le droit à la vidéo des champions. Mais c'est fou ça. On n'a pas le droit à la petite animation avec les pétards et le champagne et... Non mais... C'est fou ça.
Putain, je suis vert. Alors, on va faire la conférence de presse, lançons les hostilités, c'est parti. Ah, hein. Oh, je suis déçu. Ah, beaucoup de réussite, un peu de réussite, c'est nécessaire. Que ressentez-vous? Une véritable récompense. Est-ce une grande fierté d'avoir ajouté la Tiny? Ben oui, très heureux pour tout le monde, pour le club. Hein. Si c'est montré très joué à votre égard, que pensez-vous des déclarations? C'est le résultat qui compte avant tout. L'équipe de Masayuki nous a posé beaucoup de problèmes, il est satisfaisant d'avoir obtenu un résultat contre quelqu'un que j'apprécie autant. Là, très bien, on va rester pote avec lui. Dans quelle mesure? Je ne sais pas vraiment, ça reste une bonne équipe. J'espère que les gens ne seront pas trop battus pour ce match. Masayuki fait des miracles au groupe depuis quelques temps. Ouais, c'est ça. Après cette victoire en Tiny League 2, les dirigeants et les supporters vont être encore plus exigeants. Je suis bon, sous pression. Votre équipe vient à grand moment aujourd'hui, mais si l'on se projette vers l'avenir, pensez-vous pouvoir encore progresser et remporter d'autres titres? Si on continue sur notre lancée, pourquoi pas? Quel a été l'impact de votre causerie sur ce résultat? Je ne m'attribue pas le mérite. Dans ce match que l'on lançait comme le plus important de la saison, vos joueurs n'ont pas manqué l'occasion, vous devez être très heureux. Super résultat. Le but d'Abdullah vous a donné l'avantage. Ouais, il était important de bien commencer le match. Avez-vous apprécié le match d'Abdullah? Très bon joueur, il a été top. Quelle est votre opinion s'agissant de l'utilisation de la technologie? Ouais, c'est bon, c'est une très bonne décision. Vous êtes content que le club soit bien parti pour réaliser sa vision sur le long terme. Ce n'est qu'un début, nous sommes ambitieux. Remporter des trophées nous donne une bonne base, exactement. Sico City a tendance à concéder beaucoup de buts en fin de période. On n'est pas capable de rester concentré tout le match. Sico City fait partie des équipes qui commettent le plus de fautes. Ouais, ça c'est. Il est important de nous avoir mis sur le match. Non, voilà. Dans quelle mesure votre victoire en Thai League va-t-elle avoir un impact sur Diego? Ouais, ils sont tous au 7ème ciel. Hein. De toute façon, il part à la retraite champion, lui. Hein. Il part à la retraite avec 2 titres. Alex a enfin confirmé qu'il est au niveau des meilleurs entraîneurs ayant jamais exercé en Thaïlande après avoir remporté la Thai League 2. Succès du talentueux entraîneur m'ont fait entrer au classement des meilleurs techniciens de Thaïlande. Et au vu de ses récentes performances, l'As pourrait bien viser encore plus haut. Mais oui, on va regarder le panthéon du football. On est où là? Sequoia City. Il y en a 3. 54 points, écoute. Les supporters sont enchantés, et c'est très bien, nous aussi. C'est Soufan Mouré qui avait gagné, ils sont où hein? On les a rencontrés? Ah oui. Ils sont là. Bon, et ben, on a une autre petite coupe à mettre. Hein. Parapol estime que ce succès est en grande partie dû aux qualités de leader démontrées. Mais oui, bah évidemment, bien sûr. C'est fantastique, hein. On finit cette saison qui était longue, hein, sur la montée, sans passer par les barrages, et en plus champion, c'est incroyable. La coupe n'a pas encore apparu, mais ça va pas tarder. Par contre, je suis vraiment déçu de pas qu'il n'y ait pas l'animation des champions, là. Ça, c'est gâchant, quoi. C'est gâchant. Voilà, quand je vois ça, quand on voit là, juste pour la blague, hein, on va aller voir vite fait. Et on va prendre Shonbury au hasard. Voilà. Pff, oh là là, on est. Ah. Bon, ça va. Il y en a un peu des comme nous. Ah oui, oh bon, ça va, ça va, ça va. Je pensais qu'on allait être les seuls. Mais bon, oh là là, ça va être chaud quand même. L'année prochaine va être vraiment très 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 chaude. Eh bien écoutez, on va en rester là. Hein. Je pense que là tout est dit pour cet épisode. Donc visiblement, les barrages, on n'en a pas. On devrait
Visiblement, on est promu direct, hein, donc on peut vraiment se reposer et s'atteler au mercato. Ça va être le prochain épisode va être sur ça. Hein. Je vais commencer à faire, à prospecter, à chercher, à superviser, à proposer des comment ça s'appelle des semaines d'essai d'un max de joueurs. Là, on a vraiment un gros travail. On a quand même beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Un Fingin, on ne lui en a jamais proposé, mais on pourrait peut-être du coup. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 joueurs en fin de contrat. Lui, je vais voir si je peux l'acheter. Allez, parce que quand même, Sritip, 2 et... Ouais, le problème, c'est que je vais attendre qu'on monte avant de commencer. Alors, je vais superviser quand même. Je vais essayer de gagner du temps. Mais... Parce que je sais pas, lui, par exemple, si on monte en D1... Si son niveau sera toujours de 1-1 ou plutôt de 1, à mon avis plutôt de 1. Mais déjà voilà, Shumshuen, premier joueur qu'on a acheté, hein, comme je disais dans un épisode précédent, il y a l'affect. Voilà, c'était notre premier joueur recruté, mais là il fait. Ouais, il a vraiment pas le niveau. Shumshuen, faut que ça dégage. Sriche, c'est pareil, je l'aime beaucoup, on a réussi à l'acheter, mais. Je sais pas. Manoï, il va dégager parce qu'il n'aura pas été. Il n'aura pas été flambant, il a quasiment jamais joué. 6,87, c'est pas dégueulasse, hein. Une passe D. Un tackle réussi 100%. Voilà, 3 matchs, 4 comme remplaçant. C'est pas pour ce qu'il nous coûte. Hein. Sriwanish, c'est pareil. C'est des joueurs qui nous ont permis de monter de la D2 à la D3, qui ont rendu pas mal de services. Voilà, Sriwanish, 11 matchs hein, sur les 32 ou 33, je sais plus. Sriti, bon, 9 matchs. Fingdin, 19 matchs. Hein. Lui, il était au club depuis le début. Hein. Voilà. 7-0-9, il finit sur une bonne note. Hein. Il a fait 20 matchs cette saison. Et après, le problème, c'est que tout changer, ça va les déstabiliser. Il va falloir refaire de la cohésion d'équipe pour qu'ils reprennent à jouer ensemble. Là, c'est vrai qu'on a quand même une base de joueurs. Mais en gros, à partir de Muntacorn, on va mettre Canou aussi parce qu'il a visiblement un beau potentiel. Mais de ici, voilà, tout cela, là, faut les conserver. Tous ceux-là au-dessus, ils seront encore au top, à part ceux qui vont partir à la traite. Donc Diego, mais possiblement, je sais pas pourquoi, il est où je vois même pas. Sokam, il est là. Ah bah oui, mais il est en deçà, donc de toute façon. Et puis même, il est trop vieux, non, c'est peut-être pas qu'il part à la retraite, mais oui, il a 35 ans, et 35 ans trop vieux pour la première division. Pareil, joueur qu'on a recruté, qui était plutôt cool, hein, il a bien fait le job, hein, mais bon. Quand même 18 matchs, hein, c'est pas rien. Hein. 7-10, un but. Ouais, les tacles, par contre, c'est pas ça. En coupe, il a été bon, mais là, non, mais lui, il va dégager, on va pas le conserver. Bon, allez, de toute façon, ça va être l'objet du prochain épisode. Hein. Tous les changements, les ajustements qu'on va faire, on va essayer de refaire une autre formation au niveau tactique. On va voir un peu ce qu'on peut faire et surtout faut que je trouve des joueurs qui s'essoufflent pas à la moitié de la saison et qui s'effondrent pas à force de blessures. Écoutez, moi je suis vraiment très très content, j'espère que vous l'êtes aussi. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, n'hésitez vraiment pas, je leur dis à chaque épisode, mais n'hésitez pas, dites-moi s'il y a quelque chose qui vous paraît incohérent ou au contraire quelque chose qui vous paraît bien. Ouais, je suis ouvert à toute discussion, à toute critique, à tout conseil. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, la petite cloche, enfin, vous connaissez toute l'histoire, hein, pour vous tenir au courant un peu de la prochaine phase, on va dire, de notre équipe de Sikwe City en première division thaïlandaise, où là, je pense qu'on va vraiment en chier comme jamais. Eh bien, écoutez... D'ici ce prochain épisode qui sera, je le pense malheureusement, très orienté mercato avec peut-être les matchs de début de saison, pas sûr, je verrai, parce que ça va me prendre vraiment du temps, je pense. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Salut !